Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Doigt, on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur Subnautica 2. Et oui, on a des nouvelles images qui ont filé, hein, en gros, voilà ce que ça veut dire. On va passer très vite fait sur ces trois images parce que bon, on peut pas dire grand chose en vérité, mais ça fait quand même plaisir d'avoir des nouvelles images sur le jeu. Donc c'est des images en fait qui ont été prises pour des capsules temporelles, donc ça veut déjà dire que sur le jeu on va retrouver les capsules temporelles. Donc ça veut dire aussi que soit on va se rebarrer dans une espèce de fusée pour relarguer des capsules, soit on va trouver des capsules d'autres vaisseaux qui sont arrivés sur la planète dans laquelle on va arriver justement. Maintenant, les images sont un peu floues parce qu'on nous les a pas données en grand format malheureusement. Ben en fait les trois images, vous allez le voir, c'est une créature. Je crois que c'est la même créature ou peut-être que c'est pas la même. Quoi qu'il en soit, regardez ça. On a un truc trop bizarre à droite et c'est cette fameuse créature avec des espèces de nageoires colorées comme ça. En haut, on peut voir un tout petit poisson. Bon, ça, pas trop d'importance. Ça a l'air d'être le même poisson qu'on avait vu sur la première image du jeu qui avait fuité, bien sûr. L'eau a l'air magnifique, hein, soit dit en passant, même si l'image est floue. Le corps de la créature est totalement transparent. On dirait un espèce de slime bizarre, hein, quand même. Mais bon, ok, pourquoi pas. Donc voilà, cette première image, malheureusement, on peut pas dire grand chose de plus. Vous voulez dire quoi d'autres. On a celle-là aussi que j'aime énormément avec la gueule du poisson qui tient la caméra comme ça, voilà. On voit encore un petit poisson derrière, enfin même des bandes poissons à vrai dire, l'eau qui est toujours aussi magnifique, hein. y a pas à dire. Une première plante du jeu, bon, c'est qu'une plante, hein. je vais pas faire comme les autres influenceurs que vous allez voir, ouah, il y a une plante, alors qu'est-ce qu'on peut dire. Non, c'est qu'une plante, on s'en bat les couilles. On a du coup cette magnifique créature qui a l'air d'être la même créature avec le corps transparent derrière, on le voit. On a une mâchoire assez prononcée quand même, et on a aussi deux yeux comme ça, très bizarre. Très bizarre. Et le corps de la créature a l'air coloré aussi, j'adore. On dirait un petit peu un animal de compagnie, peut-être à la manière du câliner, je sais pas, mais on dirait un petit peu, ouais. Et on dirait aussi qu'on est dans les bancs calmes, l'espèce de récif du début, hein, du début du jeu. Donc on peut trouver cette créature au début, mais elle a l'air de se balader comme ça en sautillant, ça a l'air trop drôle, vraiment, ça a l'air super drôle. Et on a cette image là, alors là, vraiment flou aussi. Donc on a le corps transparent, en fait je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus vraiment. C'est posé sur le sol, peut-être que la créature fait des animations, on peut faire des câlins, des petites gratouilles par-ci par-là, je sais pas du tout. Mais on voit effectivement les membres de la créature aussi, et cette espèce de corps transparent qui me perturbe bien. Très bizarre. Mais je ne peux rien dire d'autre de cette image là parce qu'en fait ça rejoint l'image qu'on avait juste ici avec le corps transparent. Il y en a qui vont réussir à rassembler le corps parce qu'en fait ce qu'on voit sur cette image là ça fait pas partie du récif, tout en bas à droite là, l'espèce de truc blanc, c'est sa colonne, c'est ce qu'on voit ici, hein, il me semble, hein. C'est ce qu'on voit là, regardez, c'est ce qu'on voit ici. Sa colonne, si c'est une colonne vertébrale, hein. Sinon je sais pas ce que c'est, peut-être sa tête, hein. j'en sais rien, c'est très bizarre. En tout cas voilà, c'était tout pour ces trois images. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette créature qui a l'air fort sympa dans l'espace commentaire, n'hésitez vraiment pas. Et puis sur ce, c'était tout, je peux rien dire d'autre malheureusement, oui. C'est un peu compliqué à décrire, mais c'est des nouvelles images. Moi ce qui m'intéresse le plus, c'est même pas forcément les images, c'est déjà en premier lieu la créature qui a l'air très drôle, vraiment très, une espèce de petite créature assez mignonne, mais aussi le fait qu'on retrouvera les capsules temporelles dans le jeu, parce que c'est des images qui ont été prises pour des capsules temporelles. Parce que regardez, si je vous montre ça, donc ça c'est l'ancien Subnautica, hein. C'est le Subnautica classique, le Subnautica 1 qu'on connaît, on remarque le fusil à stase, on peut pas se tromper, ça peut pas être Below Zero. On voit bien en fait que les développeurs ont largué une capsule dans le jeu et quelqu'un l'a trouvée. Voilà, donc moi je pense que ça a été comme ça. Donc il y a quelqu'un qui a dit, les développeurs ont laissé un message en gros, avec justement l'image qu'on voit ici qui est beaucoup plus nette. Donc voilà, vous avez trouvé ceci sur mon chemin, nanana. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Ça n'a jamais été vu auparavant. Voilà en gros ce qui est dit. Et il y a marqué hashtag Peeper Rule. Et Peeper Rule, ça veut dire qu'il y aurait le Peeper? Je sais pas. Je sais pas du tout. Mais en fait, on peut pas... Il n'y a pas vraiment de message caché ici. C'est vraiment, en gros, ils ont donné des images du jeu, hein, à travers les capsules temporelles, mais je sais pas, en fait je sais, c'est assez perturbant, c'est assez ambigu comme situation. Moi je pense que même si c'est une capsule temporelle qu'on a trouvée dans Subnautica 1, tout me prête à croire que il peut y avoir les capsules temporelles dans le 2, hein, vraiment très très clairement, avec le hashtag Peeper qui voudrait dire qu'on peut avoir le retour du Peeper, mais ça aurait pas de sens. On est sur une nouvelle planète, faut oublier les anciennes créatures, les aliens, le gargantuan, oublier tout ça, de toute façon c'est du passé, on n'en parlera plus. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez tout simplement de ces petites news. Voilà, sur ce c'était Doigt, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui l'ont pas déjà fait, de toute façon vous connaissez le refrain. On se retrouvera pour d'autres news quand ça arrivera, en attendant plein d'autres jeux vont arriver sur la chaîne. Bye tout le monde.